Dans le Tanya, le Mordechai, il explique qu'il y a des clipotes qu'un juif n'a pas la possibilité d'élever. Trois clipotes impures. Ça, c'est écrit dans le Zohar. C'est-à-dire que la clipote Noga, la vitalité qui s'habille dans le monde, dans les aliments, la vitalité qui s'habille même dans l'âme animale représente clipote Noga, tu as la possibilité de l'élever. C'est le travail du comte de l'Homère. On transforme notre âme animale. C'est pas qu'on la détruit. On l'endort. C'est que le désir même du Yetzer Hara, tu vois, le désir qu'il a, la force du désir du Yetzer Hara, qui s'habille dans l'âme animale et qui incite l'homme à désirer des choses parfois même interdites, cette force du désir, on l'utilise, on l'emploie, mais on le dirige dans la Kdoucha. Tu vois ? Ça, c'est faire de quelque chose de neutre, l'orienter vers la Kdoucha. Par contre, dans le Tanya, il t'explique que les clipotes méot, tu ne peux pas élever les clipotes méot. Tu ne peux pas les élever. C'est trop impur. C'est trop grossier. Et malgré... Un exemple. Des choses qui sont vraiment... qui sont interdites par la... Que la Torah l'interdit. D'accord. Et en fait, le rabbi, il dit dans un discours, il explique, il dit que même les clipotes méot, on peut les élever. On peut transformer le mal, même ce mal absolu-là, on peut arriver à l'élever malgré tout. Et de quelle manière? Il te dit comme ça, il te dit, quand tu as un plaisir profond, tu vois, qui est en toi, vraiment un plaisir profond que tu veux assouvir pour qu'une tava, une jouissance, quelque chose que vraiment qui te ferait plaisir vraiment d'assouvir, mais qui est interdit par la Torah. Si tu t'abstiens d'assouvir cette tava, à ce moment-là, tu élèves les clipotes méot. C'est intéressant parce que c'est très chassidique comme idée, parce que ça veut dire que chaque juif, il a un rôle à jouer. Il ne s'agit pas d'une élite, tu comprends? Alors, Chaim. Pour reparler de la musique classique. La musique classique, il faut éviter. Disons qu'il vaut mieux privilégier une musique dont on est sûr qu'elle a une origine profonde qui vient du côté de la Kdoucha. Est-ce que... Excuse-moi, juste encore une petite parenthèse. On se promène, on est accroché par un tableau dans la rue. Mmh. On voit un tableau dans une galerie d'art. On est attiré par ce tableau, on ne sait pas qui l'a peint. Mmh. On ne sait pas avec quel esprit il a peint ce tableau. Mmh. Mais on est attiré. Mmh. On peut être attiré aussi par, en passant dans la rue, par un air de musique, etc. On ne sait pas avec quel esprit cette personne-là a composé cette musique. C'est vrai. C'est une méfiance. On ne regarde plus l'art en tant que art, mais on doit d'abord chercher à connaître le personnage à chaque fois. Alors là, tu parles d'un sujet qui s'est exprimé, qui est étudié et développé dans le Tanya. On dit justement que la musique a une âme. Oui, bien sûr qu'elle a une âme. Oui, mais justement, c'est ça qu'il faut faire très attention. Ouais. Ça peut être une âme qui est néfaste. Ouais. Pas seulement la musique, moi je parle. Je te dis dans tous les arts. Oui, c'est pour ça. C'est en fait un tableau. Et en fait, voilà. Maintenant, le Tanya te répond déjà en partie. Quand tu dis je, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça. C'est qui je à ce moment-là? Est-ce que c'est le je qui vient de ton âme divine? Ou c'est le jeu qui vient du mauvais penchant. Dieu, il a créé l'homme avec deux impulsions, deux penchants. Même avant le péché, quand Adam Arishon, il a désobéi à Dieu, même avant le péché, il possédait déjà deux impulsions. Seulement l'impulsion vers le mal, elle est endormie. Mais quand il a commis le péché, l'impulsion au mal, il s'est réveillé. Et à ce moment-là, Dieu, il a donné le choix à l'homme d'accomplir le bien ou le mal. Le libre arbitre. Libre arbitre. Seulement, la question, c'est très fort, sa question, parce qu'on doit se demander tout le temps, c'est quel jeu qui a envie, qui regarde le tableau maintenant? C'est le jeu qui vient du divin ou le jeu qui vient de l'autre côté? Et là, évidemment, la réponse, elle est que quand tu t'intéresses à l'œuvre d'un artiste, que ce soit un livre, à l'évidence, hein, je pense que l'œuvre, elle est indissociable de l'artiste. Ça veut dire que l'œuvre, elle découle de son âme, de l'essence même de son âme. Si cet homme, et c'est pour ça que la venue du Machiav même, c'est le dans l'art également, on la verra dans l'art, chez les artistes. C'est-à-dire que les artistes, au moment du Machiav, ils vont dévoiler, ils vont nous unir à Dieu. Ils ne vont pas nous attirer vers le monde des clipotes, tu comprends?
C'est la question qu'on doit se demander. Est-ce que le morceau de musique que je suis en train d'écouter, qu'est-ce qui me fait faire? Vers quoi il m'amène? Qu'est-ce qui me donne envie de faire? Est-ce qu'il me donne envie de m'attacher à Dieu, de faire des mitzvot? Ou est-ce qu'il me donne envie d'aller danser dans une discothèque et de me laisser aller? Alors, et bien sûr, il y a deux écoles. Je pense qu'un enfant, quand il est en bas âge et qu'on a envie de lui apprendre la musique, on va le diriger vers un maître, un professeur qui va pouvoir lui donner des cours, et il va avoir une attirance par rapport à son maître. Et il y a des personnes qui ne vivent pas dans un environnement purement religieux et où il n'y a pas de maître à proximité pour donner des cours à leurs enfants sur la musique, par exemple. Voilà. Et là, forcément, la première chose que va retenir un enfant, c'est les premières notes de musique qu'il va apprendre avec son professeur. Donc c'est la même chose pour le reste, enfin tout ce qui découle de l'art. Je pense que... Ce que tu dis, en fait, tu peux dire les choses de manière encore plus simple. Il y a un corps, il y a une âme. Quand un artiste en herbe, il apprend la musique, il va apprendre le corps, la forme, la technique. C'est-à-dire le solfège, la manière de tenir son violon, la manière de tenir son archer, la manière de jouer. Ça, c'est la forme. Effectivement, tu peux apprendre la forme même d'un maître qui n'est pas juif. Par contre, maintenant, l'âme. Qu'est-ce que tu vas donner dans ta musique? Comment tu vas assembler les notes? Qu'est-ce que tu vas faire rejaillir de ton cœur? Quels sentiments tu vas éveiller? Et sachant même que tout ce que tu vas étudier, par exemple, dans la Torah, ça va rejaillir dans ta musique. Ça veut dire que tu peux être... Quand est-ce que tu deviens un artiste accompli? C'est pas seulement une main, tu comprends? C'est pas seulement la main qui fait la musique. C'est surtout l'âme qui anime la main. Le cœur qui anime la musique, même. Qui anime les formes. Et c'est valable dans tout. C'est pas seulement valable dans la musique, c'est valable dans tous les effets de l'âme. Dans les effets que donnent les caméramans, ça peut se dans tout, oui, bien sûr, dans tout. L'art de tenir la caméra. Dans tout, l'art même de tenir la caméra, de mettre en scène. Tiens, je te prends l'exemple de grand metteur en scène juif, en plus. Prends Stanley Kubrick. Mm-hmm. C'est un très grand metteur en scène. Un homme qui était passionné d'abord de photos, de cinéma, à tel point même qu'il avait un esprit d'avant-garde. C'est même lui qui filmait des fois ses propres scènes. Oui. C'est même plus ses caméras. Et cet homme-là, tu vois, il a composé dans son film. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il a imagine ce film-là, je crois qu'il a réalisé en 1970. Il y a combien, 1970? Il y a presque 50 ans. Hein. Il a imaginé que l'ordinateur ait dépassé l'homme. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qui se passe. Donc tu vois que cet homme-là, c'est un vrai visionnaire. Maintenant, imagine si cet homme-là, il avait fait Teshuva, il avait étudié la Chassidoute. Je ne crois pas qu'il l'ait fait parce qu'on le sentirait davantage dans son œuvre. Mais s'il avait étudié la profondeur même de l'existence et de l'âme... Kubrick. Tu le sentirais dans même l'écriture du scénario. Tu le sentirais même déjà que c'était quelqu'un de très doué, quelqu'un qui est génial dans la mise en scène. Mais tu le sentirais, tu sentirais un autre regard. C'est-à-dire que quand tu dévoiles l'essence de ton âme, tu as un autre regard sur le monde. Mais peut-être qu'il n'aurait pas fait les films qu'il a fait et qu'on connaît aujourd'hui. Les films n'auraient pas eu la même tête. Non. Ça n'aurait pas eu le même sens. Non. Ça aurait pas eu le même, il y aurait non, pas eu la même bien sûr. Non, pas du tout. Le même montage, la même production. Non. Je veux que ça aurait été mieux. 2001, l'Odyssée de l'espace. Aurait été 2001, l'Odyssée de l'espace, mais un autre. Oui. Mais en fait, je suis certain qu'aujourd'hui, tu vois, Stanley Kubrick, il doit se trouver en ce moment-là. Il doit étudier la Torah. Et je suis certain que les films qu'il prépare, là-bas, dans le ciel, tu vois, et qu'il fera, qu'au moment du Machiav, qu'on verra, avec l'aide de Dieu, je suis convaincu qu'il sera beaucoup plus fort. Parce que si tout l'intérêt, c'est ça la venue du Machiav. C'est quand tu as fait. On peut dire ça de tous les réalisateurs. De juifs tout. À ce moment-là. De tout. Pas seulement de tous les juifs. Mais tu prends Hubert, qui est juif. Oui. Qui fait des films. Ben ouais, franchement. Tu vois bien, même tu vois bien chez Hubert, il a commencé par faire E.T., par faire des films comme E.T. ou Les Dents de la Mer. Mais il va sortir un dernier film.
C'est ça, il a sorti en présentation à Cannes un dernier film. Ouais. Là, Le Bon Gros Géant, ça s'appelle, je crois. Ouais, c'est, et ben, c'est, en fait, c'est une adaptation d'un bouquin de. Voilà. Et d'un enfant. Dis-moi la différence entre E.T. Non, c'est The Big Fit Giant. C'est ça. Big oui. Friendly Giant. Quelle est la différence avec E.T., dis-moi. Ouais, le, ça vient du livre, je crois. Hmm? James, c'est la grosse poche. Non, c'est. Roald Dahl. En tout cas, dis-moi, quelle est la différence par rapport à E.T. ? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau ? À part dans la forme, parce qu'il paraît que techniquement, c'est beaucoup plus élaboré. C'est le fond, que, oui, mais le fond, dis-moi, quelle différence entre Le Bon Gros Géant et E.T. ? Tu vois, il n'a pas évolué en ce sens. J'avais entendu dire, il y a 30 ans, qu'il voulait faire les 10 commandements. Oui. Pourquoi il l'a pas fait ? Il a quand même évolué entre Les Dents de la Mer et Lincoln, bien sûr. Qu'il avait fait. Là, il revient sûr. À ses origines, à ses premiers bien amours. Bien sûr. Je dis pas, je conteste pas son talent, je conteste pas ses films. Simplement, je dis que quand tu révèles un niveau supérieur qui est en toi, ça se voit dans tes films. C'est ça le point de départ. Après, il y en a eu plein. Il y a quelques années, ils ont fait Noir, ça s'appelle le film Noir ou Noé. Noé. Non, c'est pas Spielberg. Oui, mais là encore. Mais ils ont pris quoi ? Ils ont ouvert la Bible, ils ont dit, tiens, l'Arche de Noé, c'est une belle histoire. Ouais, on la raconte. Oui, après, Les Dix Commandements, qui était un film culte de Cécile B. DeMille, dans les années 50, ils ont fait, il y a quelques années, ils ont fait Exodus, ça s'appelait ? Qui retrace pas du tout l'épopée du bateau Exodus, mais ça s'appelait Exodus. Ouais. Et c'était quoi ? C'était pareil, c'est la sortie d'Égypte aussi. C'était ça le thème. Ouais. Mais en fait, tu veux que je te réponde de manière brutale, en fait. Après, c'est du commerce aussi, hein, c'est du business. Oui, c'est Hollywood, du business. C'est Hollywood. Mais je te réponds d'une manière brutale. Mon fils, tu vois, mon petit garçon qui a 7 ans, demain, il ferait un film sur les 10 commandements. Ce sera plus fort que si Spielberg fait le film sur les 10 commandements. Amen. Tu sais pourquoi ? Parce que il va révéler, un enfant, il révèle l'essence de son âme, alors que Steven Spielberg, il n'est pas encore arrivé à ce stade. Il est au stade où il sait très bien manier la forme, mais pas le fond. Tu comprends ? Le jour où Steven Spielberg, il va vraiment étudier la partie profonde de la Torah, et il va se sanctifier dans les mitzvot, et il va se purifier même son corps, et par là, il va élever son âme, il va développer, ses films, ils vont être transfigurés. Mais tu crois ça ? Mais c'est pas que c'est évident. Non, mais tu crois que quelqu'un comme Spielberg, il peut avoir une révélation comme ça et repenser le film de cette façon Non, ça coulera de source, ça sera naturel chez lui. Il va transfigurer son être tout entier. C'est ça qui se passe. Moi, dans certains films, il l'a déjà fait, dans La Liste de Schindler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On ressent le... C'est vrai, tu as raison. Non, c'est vrai. Non, mais ça te manque... Oui, c'est vrai ce que tu dis. Mais ça exprime un metteur en scène qui a, disons, une attirance et qui a une partie de lui qui est attirée par le divin, mais il a malgré tout une partie de lui qui est encore dans ce monde matériel, qui est encore dans le monde des... Tu vois, un monde qui est encore obscur. Et La Liste de Schindler, ça te montre, en fait, exactement, c'est un bon exemple pour te montrer qu'un juif, en fait, le vrai Spielberg, en fait, c'est ce qu'il va exprimer dans La Liste de Schindler, parce que c'est là qu'il exprime vraiment l'essence de lui-même. Et qu'il est recouvert, malgré tout, d'une grosse couche, et comme il disait, comme un diamant, tu vois, il est enrobé de... Avant de sortir un diamant, il faut enlever les pierres, les clipotes, et puis le tailler, et arriver à sortir un diamant. Tu vois ? Bon, en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai trouvé ça, ce rendez-vous, assez original. Et ça nous a apporté beaucoup. Merci beaucoup, Rava Vergel. Avec plaisir. On s'est régalé le ventre, on s'est régalé l'esprit. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Jacques ? Bah écoute, moi, j'en ai pensé que du bien, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur déjà de retrouver mon ami Yaakov et de tirer un petit peu d'enseignement sur ses cours. Et en plus, un excellent repas, un couscous inattendu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Couscous boulette en pleine semaine. Voilà, en pleine semaine. Donc c'est vraiment... Voilà. Voilà, ça a été vraiment un très très bon moment, très fort. Et est-ce que ce serait de circonstance de faire un petit nigoun ? Un nigoun ? Oui. Que nous, on chante un nigoun ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ya 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 ya
Tu peux le trouver celui-là. La 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 la